Oh yes, little phone. You are mine now. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? Get the fuck out of my face. Thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Now let's make a date with Frank. Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Oh, look. The Wonder Twins. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Rachel? Is that why you're really here? Yes. We're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Well, if there's a chance in hell you two dorks can find Rachel, yeah, I'll take it. Thank you. Yeah, thanks, Frank. I better focus on this board and start tying these clues together. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments to leave them behind you? Cast some light, it'll be alright. Cast some light, and it'll be alright. But now. Hello les gens, ici c'est Shadowar et Amy et Sora qui est juste là et qui s'en va. Très bien. Au revoir Sora. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Life is Strange. Moult temps épisode se sont 16. Écoulés. Alors moult temps se sont écoulés pour vous. Pour nous, on tourne cet épisode la veille pour le lendemain. Incroyable. Incroyable. Alors que vous avez pu profiter vendredi d'un épisode de Ni No Kuni. Profiter. Vous avez pu profiter, comme les profiteurs, tout à fait, d'un épisode de Ni No Kuni. Le deuxième qu'on a, on a torché, on a tellement envie d'y jouer que, genre, ouais, on y a joué vraiment beaucoup. Et là, on se retourne sur Life is Strange, mais en même temps, on se dit, putain, on a trop envie de faire Ni No Kuni en même temps. Bref. Voilà, la dernière fois, on s'était arrêté qu'on avait chopé les indices de David avec un cliffhanger, ma foi, un petit peu pas tout. C'était pas la folie, mais en même temps, l'épisode commençait à être trop long, et si on faisait tous les indices, ça rajoutait de l'épisode vraiment trop long. Du coup, pour les indices de David. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Ah oui, d'accord, il faut associer, les coordonnées, avec les bonnes photos. Ouah, mais l'enfer! Regarde les coordonnées. Alors. Ah, d'accord, on va désélectionner, je sais pas. Attends, les coordonnées, le problème c'est qu'on. Ah oui, on peut regarder quand même. Yep, another car David was tracking. Ok, la voiture c'est. TWNPKC. C'est Twin Peaks. C'est Twin Peaks. La voiture c'est Twin Peaks. Là c'est. Truckle. Ici, c'est Twilight Zone. Et là, c'est SFIC NDR. Très bien. Donc, du coup, là, c'est la voiture de Nathan. La voiture de Nathan, normalement, on a Twilight Zone. Ah, c'est Twilight Zone, sa voiture. Ouais. Ah, non. Parce que regarde. Là, c'est Nathan qui conduit et il y a du scotch. Donc la sienne, c'est celle-ci. Et du coup, c'est Twilight Zone. Et par contre, celle-là, je sais pas à qui est-ce que c'est. Les deux là. Pourtant, Twin Peaks. Ça, c'est le camion de Frank. C'est le camion. Si ? Car c'est une caravane. Non. Attends, c'est le camion de Frank ou c'est celle de. Ou c'est celle de Chloé ? Ça, c'est une photo de qui ? De Nathan en train de dealer. Et ça, c'est juste Warren en train de... Très bien, donc du coup, celle de Nathan, ça c'est à Nathan aussi. Et du coup, c'est Twilight Zone, et c'est pas celle-là, c'est celle-ci je crois. Non, ça c'est SFX, donc ça doit être celle-ci, c'est ça, c'est Twilight Zone. Go ! Non, c'est pas Twilight Zone, c'est un ADR. Ah oui, c'est SFX NDR, pardon. Pardon, c'est pas toi. C'est le premier. Je m'ai trompé, c'est celui. Now we're finally getting somewhere. Ok. Chloe,
Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Bah, c'est des coordonnées, hein. Ça te donne forcément une adresse. Sachez que d'ailleurs, sur Google Maps, si vous mettez des coordonnées, ça marche. Des coordonnées, ça vous donne un truc sur... sur Google Maps. Où ça, des Illuminati? À droite. Vas-y, remonte. Hop, là. Ah oui, c'est vrai. Illuminati. Juste en mode... Mais, mon Dieu, mais cette tomate est incroyable. Ok, donc du coup, ça, on a les indices de David, ça c'est fait. On passe à ceux de Franck ou ceux de Nathan? Franck. Ceux de Franck, allez, on garde le meilleur pour la fin. Alors, transaction de Franck pendant la semaine qui a précédé la fête. Bon, alors du coup, on va déjà regarder tout ce qu'on a. Ça, c'est quoi? C'est son carnet. Avec les noms cryptés, très bien. Ça. Alors, David Madsen et Nathan Prescott sont tous les deux venus dans mon bureau pour m'informer que Rachel Denver est, dans le vocabulaire de M. Madsen, une mule, servant d'intermédiaire à un dealer local. Au vu du dossier exemplaire de Rachel, j'ai dit à David qu'il me faudrait plus de preuves concrètes, ce qu'il a promis de pouvoir fournir. Alors, c'est Nathan, c'est Nathan et David qui ont balancé. D'accord. Du coup, Nathan était aussi dans le coup, alors que lui, il deal, quoi. Maybe Rachel took a road trip with Ray, but Rachel et Frank. Ok, bon ça c'est Frank, hein. But Frank couldn't keep Rachel. Ok, ceci so, c'est cool. What happened to Rachel after this? D'accord, ça c'est Rachel. Frank, c'était pas cool ce que t'as fait et ne mets pas ça sur le compte de la drogue. Tu m'as fait vraiment peur, j'ai cru que tu n'arriverais pas à te calmer. On a déjà lu ça. Je n'avais jamais vu te comporter comme ça et je te jure que la prochaine fois sera la dernière. Je suis le signe du lion, elle ne regarde jamais en arrière. Ah oui, en effet, on l'avait déjà lu. J'ai cru que c'était marqué Sora, moi, au début. Moi aussi. Non, c'est XO Rachel Amber. Rot must stand for rot. Ok, ça c'est tout le nom des gars. That does fit Rottweiler. Ça correspond bien à Nathan. Rotten. Il faudrait une muselière. D'accord, en fait, il a tout le nom des... C'est un mot de passe, en fait, pour tous les gens. Ouais. Est-ce qu'il y en a qu'on connaît, du coup, là-dedans? Bah, Nathan, Chihuahua. C'est Rot. Bah, du coup... Justine, c'est Beagle. Mais c'est qui, Justine? Chloé, c'est Bulldog. C'est qui, Justine? Ah, Chloé, c'est Bulldog, ok. Nicolas, Glenn, okay. Tonk, je les connais pas. Stifler, y a Stifler! Ah oui. Boxer, Nathan, Steve, Logan, Stella, Mike, Joseph. Du coup, ça, c'est toutes les personnes, Mrs. Fancy Cat. C'est toutes les personnes qui deal avec. Et du coup, bah, là-dedans, moi, enfin, Justin, c'est qui? Ah, c'est Justin, c'est le mec de la fac, en fait. Oui, oui, ça, ok. Une Cathy aussi, on connaît, non? De quoi? On connaît pas une Cathy? Une Cathy? Ben, Kate? Ça doit être Kate, hein. Bah, je sais pas, mais là, ils ont dit qu'il y avait pas de drogue, donc Miss bagnole de luxe, fancy car. Ah, c'est fancy car! D'accord, Miss bagnole de luxe, ok. D'accord. Ok, bon, du coup, non, on connaît pas. Et cette There's dernière liste. No doubt she left him in some way. Ça, c'est la lettre. Ah, c'est la lettre qu'elle a écrite. Frankie B. Il s'appelle Frankie B. Désolé pour ça, j'étais une vraie connasse. Le pauvre Pompidou. D'accord, oui, non, mais ça, on l'avait déjà lu, en fait. On l'avait déjà lu. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut relier? Bah, déjà, on peut relier tout ce qui est Rachel Amber, non? Ouais. Je sais pas si ça va servir à grand-chose. Mais on a déjà tout ce qui est... Les deux lettres. Ah, d'accord. Genre, on a le choix. On peut sélectionner que deux trucs. Genre, si on fait ça et la lettre... I bet I could suss out some major. Prends la liste des clients plus le carnet. Oui, bon, ça c'est normal que. C'est sûr, le carnet c'est mieux. Alors, carnet bon, clients et du coup les clients pour pouvoir décoder le truc. Yes, the game is on. Now, elle va décoder tous les trucs. Talk to us, oh mon Dieu. C'est parti. Ok, donc ça c'est le nom des gens. Très bien. Alors, ici... Oh putain, ça... C'est marqué tous les trucs. Ah oui, d'accord, ok. Labrador, Boxer, Shiba Boxer, Beagle, Rott... Donc ouais, il y a deux fois Rottweiler. Donc, en pleine cambrousse et à Blackwell. 2 onces de Firebud, plus 5 grammes de speed, plus 5 grammes de cocaïne. Ouais, en fait, c'est crypté, mais juste pour les gens, en fait. C'est crypté, mais il dit exactement ce qu'il a. Qui c'est qui... Pineapple Express. Qui prend le plus? T'as Labrador, qu'on voit déjà deux fois. T'as Boxer, ouais. Qu'on voit déjà deux fois. Et ça a Blackwell en plus, le Labrador aussi. Blackwell. Ok.
Ensuite, ici. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Non, non, c'est l'autre. Là, on a Rottweiler à Blackwell. Labrador à Blackwell aussi. Je suppose que Labrador, c'est Justin. Parce que c'est, ça se déroule à Blackwell. Labrador. Logan. C'est Logan. I'm getting a contact high just reading. Ok, là on a chien errant. Il y a chien errant 1, chien errant 2. D'accord. Ouais, bah, chien errant 2, 1, c'est voilà, c'est ça, c'est pas des réguliers en fait. Lévrier. Golden Retriever, Chihuahua à la plage. Ok. Ici, everybody in Arcane Bay must be high. D'accord. Chien errant. Alors on a Labrador là à Blackwell du coup. Ok. Merci Sora pour cette intervention incroyable. Ben je crois qu'en fait à chaque fois elle a fait un commentaire à chaque fois que pour celle qui était en bas quoi. Après faut regarder un peu, enfin GHB en fait, parce que c'est GHB non c'est si c'est ça, c'est GHB le... quand ils ont oublié pour faire oublier la mémoire à court terme. Ouh là, il y en a trois là, trois fois Rottweiler. Blackwell, plage et plage. Et Labrador une fois. Ouais. Deux. Attends quoi? Heavy Metal Hash. Acid Skilo. Ok, très bien. Donc je pense qu'on va mettre ça et ça. Je peux. Ah oui, d'accord, non. On peut juste sélectionner deux. Ah. C'est-à-dire. Il faut recouper tous ceux où il y avait Rottweiler, c'est ça? Non, mais attends. Là, il y a Rottweiler ou pas? Non. Non, il n'y a pas Rottweiler. Ok, ici, est-ce qu'il y a Rottweiler? Il y a Rottweiler ici. Hop. Oh, yes! These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Il a tout découpé, quoi. C'est pas très sympa. D'accord. Et dernier paquet d'indices, c'est pour Nathan. I have to analyze Nathan's messages. Ok, bon. Si c'est les messages, je suppose que ça va être son portable. Il faudrait voir. Got to be some good shit in his phone. Il n'est pas marqué le mot de passe. Just need the code to unlock it. Ah, tes souhaits. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, ça c'est le dossier de Nathan. There's a lot of numbers in here. Il y a beaucoup de chiffres. Téléphone. D'accord. Nathan Joshua Prescott. Il y a sa date de naissance, 1995. En général, la date de naissance, ça marche pas mal. Il représente le fièrement Blackwell. Ok, donc ça on s'en fout. Ça c'est quoi? This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Ok. Did you do the same thing to Rachel at another party? Donc du coup 4 octobre à 20h, Vortex Club, très bien. Ici on a quoi? If there is a dark. Ah c'est le papier là, le dessin. We better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files dans la chambre noire. Rachel in the dark. Ils devaient défoncé quand il a fait ça. Il y a des petits visages et tout, c'est dégueu en vrai. Ouais. C'est vachement chou. Enfin, c'est un peu. Ah, SIM. Ah, code PIN. Là, il y a le code PUC déjà. 11-11. Et il y a le code SIM 11. 11-11. Très bien. Donc, ça, c'est bien. Holy shit. Ok, et là, il y a des numéros. Comment ça, il est grave atteint? 542. Il y a rien de. Ouais, il y a 542 qui est en rouge, mais en même temps, et après, il y a 95-35 qui est entouré. Il faut voir. Il faut voir. Faudra tester. Ok, et là, on a. Ok, donc ça, c'est un rapport de discipline. Cher monsieur et madame Prescott, nous sommes au regret de vous informer que Nathan Prescott a perturbé plusieurs leçons au cours des derniers mois en dépit de nos avertissements et de notre indulgence. Suite à un éclat des plus violents en plein milieu d'un cours d'introduction à la littérature de madame Yoda. C'est madame Wada. Oui, dis-moi. Wada, bang bang. Le mardi 20 septembre, Nathan a été renvoyé à son dortoir pour la journée, sans que cet incident ne soit consigné dans son dossier. Tiens donc. Nathan a énormément de potentiel, mais également de nombreux problèmes de comportement qui dépassent les capacités de notre académie. Blackwell ne peut tolérer les troubles de ce genre, et vous devez impérativement avoir une discussion avec Nathan afin de lui faire comprendre la gravité de la situation. Vous trouvez ici joint les rapports de leur intégralité. Blablabla, nous, on va les couilles. Ok. Donc, portable, carte SIM, code. Ah.
Ça. Ok, this is just sad. C'est son dossier étudiant. Elle voulait trouver ce qu'il y avait dans le portable. Les trois là, ça me paraissait bien. Avec le dessin peut-être. Better look for any clues or numbers that could be. Mais je cherche des nombres. Ah oui, avec celui de son dossier parce qu'il y a déjà des nombres dessus. Ah oh, putain, il va se fixer le vortex, le micro. Ok, go. Max, let's blow this code up and go home. Alors du coup, il va falloir trouver le code là. Ah, tiens, on reçoit un petit message de Nathan d'ailleurs. Les pétafs savent pas se battre, tu pètes la porte de ma chambre, je te défonce ta bourse. Est-ce que tu es drogué? Je dirais que oui. Allez. Ok, go. Let's start hacking. Le cœur vaillant, rien d'impossible. Ok, déverrouillé, c'est parti. 11. Alors du coup, c'est code PIN. On va essayer, c'est 11-11, c'est ça? 11-11. C'est code PIN, ok, très bien. C'est, franchement, s'il l'a pas changé, c'est un peu trop simple. Oups, bad code. C'est pour ça qu'on a le code PUC pour débloquer. Oui, je pense. Je pense que le code PUC est là pour débloquer. Alors, vu que c'est un truc à 4 chiffres, je tente très bien 95, le 95-35. Allez, 95-35. Hop, 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 hop. Yeah, ah, fuck. Ok, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bon, ils sont pas entourés les autres. Hein. On va voir l'autre, son dossier là. Sur le dossier, on peut mettre sa date de naissance s'il faut. 0829. 0829 Août 29. Il ah est ouais. Ça c'est chaud par contre s'ils l'ont pas inversé. S'ils ont fait genre à l'anglaise. Bah regarde hein, sur son dossier au début. Au-dessus... Sur le dos, c'est marqué Auguste 29. Ouais, c'est 1995. Marqué Auguste 29. On peut essayer... ou alors 1995. Bon, on va faire déjà. 0829, du coup. God. Bien je ouais. Forte. Bien ouais. What's up? Need the drug? Ok, cool. Bitch, you sold me water, asshole. Calm down, bring it to me. Bring it. Stay away, pigs on the beach. il me faut du G. Tu m'as donné de l'eau. Alors, il me faut du G, du gin. Peut-être. Mais non. Calme-toi et amène-moi. Viens pas. Ah oui, d'accord. Les pigs keufs. On the beach. Ouais, je me disais bien que c'était un truc pour rayer les keufs. Comment est votre blanquette? Bah, blanquette est très bonne. Merci. Yes. D'accord, du coup, t'es au mec, gros stuff ce soir, chez moi, j'arrive, prépare la pipe, très bien. alors, il m'en faut vite, je suis pas livreur, t'as une caisse, j'ai pas le temps, je paye double, t'as intérêt à avoir le fric sur toi, essaie pas de m'enculer, d'accord? Je t'appelle avec des détails, j'arrive, prépare ton fric. Prepare your money. Parle de bite. T'es réveillé, à ton avis, tu veux quoi? Pervienne, Esquido, ok. Tu payes le tarif de nuit, me fais pas poireauter. Désolé pour hier, besoin de plus, t'es chez toi. Ouais, viens pas, va te faire foutre. Ok, du coup, c'est que avec... C'est marqué, sorry for being a dick, need more stuff. Ça, ouais, ils l'ont pas... Désolé pour hier. Ils l'ont pas, dis donc, hein. Ils l'ont pas traduit. D'ailleurs, pourquoi il m'a désolé pour hier alors que ça se passe le même jour? À 20 minutes de différence. La session d'avant. Ouais, je pensais que c'était genre qu'il avait fait payer le tarif de nuit, il venait pas, donc mais par contre, on sait pas qui c'est, en fait, de base. On sait pas qui c'est. Ok, très bien. Ok, yo, il me faut de la beuh tout de suite. Calme-toi, toi, t'es soumette bientôt. Sois gentil. Rendez-vous à la plage, déconne pas cette fois. D'accord, donc je pense que c'est vraiment Franck, parce que ça correspond au truc, en fait. Ça correspond. So it was you. Alors que c'était toi, now c'est officiellement catégorique, donc c'est toi qui t'as intérêt à fermer ta grande gueule, sinon je vais venir te défoncer. Je sais où t'habites. Ça, c'est le message qu'il nous a envoyé. Et oui. Non, Nathan, it's time for you to watch out. Sale grosse pute, mort au féminazi, fais gaffe. C'est encore le message qu'il nous a envoyé, le même jour, à deux heures... Ah non, pas deux heures, quelques heures d'intervalle quand même, parce que c'est la première. Is this from Nathan's father?
D'accord. Tu dois arrêter de me contacter au boulot. Je me moque que tu te déchires ou non. C'est du sérieux et j'ai pas le temps à perdre avec des ados défoncés. J'ai besoin de pouvoir compter sur toi, d'être fier de toi. Tu es un adulte, comporte-toi en tant que tel. C'est son père, non, je pense. Oui, c'est son père. C'est son père, visiblement. Après, enfin, c'est super dur. J'ai besoin de compter sur toi et d'être fier de toi. Tu es un. Voilà. Besoin d'être fier de toi. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Mm. T'es un adulte, comporte-toi en tant que tel. Ouais. Et c'est tout ce qu'on a. Mais au moins, ça correspond au rendez-vous qu'il avait, donc ça, ça va. Alors, la big examination. Take a breath, oh please, no. Eh bien, déjà, on peut sélectionner la voiture de Nathan. Alors, le problème, c'est que là, c'est quoi? Ça, c'est les textos. Ok. Ça, il faut c'est que les la rendez-vous. La conversation corresponde au rendez-vous qui correspond à la photo. Like oh, putain, please. Ok, et ça c'est le Flyers. So, this infamous party was the fourth. C'était le 4, ok, très bien. Alors, on va déjà faire en proms, là, c'est... 7 octobre. Le 7 octobre, ok. Est-ce qu'il y a un truc le 7 octobre? Le 30 septembre. Le 30 septembre. 7 octobre, c'est celui-là, ok. Paf, et paf, ça c'est bon. Du coup, il faut un truc qui corresponde au 7 octobre, non. 7 octobre... Là 7 octobre. 7 octobre, là. Tac. Faut regarder les heures. This is just sad, Max. Quoi? Les heures. Mais c'est bien le 7 octobre. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont du 7 octobre. Ah. Bon. Tac. Somebody is ah, mais attends, je suis con, moi. C'est plus simple de regarder là. C'est la beach. Ok, la beach. Ça, c'est pas la beach? Si. Si, c'est la beach. Ah, c'est 2013, c'est peut-être pas 2013. C'est pas la date. Ah, on n'a pas. Il en a peut-être envoyé d'autres, là. Ah, c'est le 7 octobre, mais c'est genre à 3h du mat. Et là, c'est à 3h du mat aussi. Ok, d'accord. Non, bah, visiblement, on n'a pas la bonne... Tu vois, 7 octobre, 7h. Oh, mais ça, c'est au dîner. Regarde les autres. C'est au dîner. Si je sélectionne ça... Regarde les autres. Oui. Oh, that has c'est to pas be la plage. C'est octobre, 3h35 du matin. Poor Richie. Ouais, mais c'est pas 3h35, c'est... 3h10. C'est 3h10. Mais pourtant, je suis quasiment sûr que là, c'est... 3h10. Si, c'est ici. Donc c'est ça. C'est peut-être la conversation hein, qui est pas la bonne. Hein. On n'a pas regardé les heures sur la conversation. 3h05. Ouais. Regarde d'autres conversations. Alors peut-être qu'en fait oui. De toute façon on peut sélectionner que 3 trucs donc visiblement c'est que c'est forcément ça. Mais il faut peut-être un truc qui corresponde plus à ce que là où Rachel pourrait être ou un truc comme ça. Je sais pas. Regarde les conversations. Regarde 7 octobre 22h. Non c'est pas ça. Rendez-vous. Parce que là il y a rendez-vous à la plage. Le 7 octobre à 22h52. Bon, on va essayer avec ça. Encore le 7. Ça, non. C'est 3h, c'est pas ça. 10h. À 22h. Oui. PM. 10h PM. 10h PM, ça, c'est bon. Et du coup, là, c'est à la plage. Est-ce qu'il y a un truc 10h42 10h PM. Ouais, ça peut correspondre. Those clues are not related. Ces indices ne sont pas liés. Au dîner, on a dit, non? Ou à la plage? Oh, non, c'était à la plage. Beach. À la plage. On est bourré ou il se passe ça se passe comment? À this way. Si. Oui, c'est autre chose. 4 octobre. J'arrive Cross pas à parler ce soir. Vas-y, sélectionne le Attends, mais en fait, on va voir tes souhaits. En fait, c'est par rapport en fait, c'est le 4 en fait, c'est ça. On doit trouver le 4, le 4 octobre. Le 4 octobre. Conversation du 4 octobre. Ça, le 4 octobre. Très bien, c'est là. Okay. Il y en a un autre. Hein. Celle-ci. Il y en a d'autres au 4 octobre? Bah oui. Attends, on sélectionne. Christophe ce soir. Ça, c'est le 4 octobre? Bah oui. Ok. Alors le truc, c'est lequel on prend? Parce que les deux sont 4 octobre. Et là, il m'en faut vite à 22h, tu vois. Prends celui-là. Celui-là, il m'a l'air plus... Ah! Il m'a l'air plus, c'est genre dans l'urgence. Donc ça me paraît mieux de genre prendre celui-là. Du coup, est-ce qu'on a un truc du 4 octobre? Oui. 4 octobre, à 11h. Ça me paraît bien.
Et du coup, le Vortex Club, où c'est que c'est... Ah non, pardon. C'était où ça? C'était en pleine cambrousse. Le 4 octobre en pleine cambrousse. Ça, c'est pas trop en pleine cambrousse. Là, c'est la pleine cambrousse, non? C'est pas le 4 octobre. Non. Là. 4 octobre. 4 octobre, 10 heures. 22 heures. Ouais, ça me paraît bien sûr. Yes! Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Genre, à partir du moment où t'as les coordonnées de la machine, regarde les coordonnées qui sont avant et après. Harry Aaron. Harry Prescott. Ah, putain. I'm shocked. Surprise. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's ouais. So messed up. Mais pas tous. As you noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. You've got the power. I've gotten this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Surtout que je suis revenu dans le temps la dernière fois, donc quand même. Yes, sir. Genre, bien dans le temps. No trespassing. No stress. No stress. Holy shit, this is scary. Holy shit! Oh, no. But we're here. Let's go find the best way in. Susceptible. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Genre toute fraîche, mais personne ne touche la boue, bordel. Un gros cadenas. We need to get in that barn. Doit trouver la clé. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? C'est juste un pied de biche. Mais si quelqu'un est dedans, à mon avis, peut-être mieux rentrer discrète aussi. Un écueil. Tiens, Warren. C'est à gauche. Alors, merci de m'avoir séparé de Nathan. Mon côté primate est sorti. C'est clair qu'on avait besoin de la clé, mais je veux pas de blablabla. Ah, voilà. Il avait besoin d'une raclée, mais je veux pas m'abaisser à son niveau. Et puis, il finira bien par s'en prendre une un de ses jours. Tu es sage, petit scarabée. Merci, je suis pas exactement le héros dont cette ville a besoin. Tu es quand même un héros. Il nous faut les costumes, maintenant. En fait, j'espère que tu vas venir à la soirée et qu'on puisse fêter ça. Je te tiens au courant, promis. Cool. Faut que je me calme, là. Tu te calmes. Ah, t'avais un message de Joyce, je crois. Faut que tu m'aides. Oui, non, mais t'es sur la bonne voie. Ah non, un message de Frank, pardon. Merci Franck, on est près du but. J'espère. Tiens, au jus, passe-moi voir plus tard si vous zonez. C'est devenu trop notre pote, j'adore. Ouais. Il est trop sympa ce Francounet. C'est un bâtard au début, puis après, ben. Mais parce qu'il a. Il a souffert. Tiens, vérifie à l'arrière du camion si c'est pas le sien qui est Twin Peaks. Enfin, ou devant, hein, il y a la plaque d'immatriculation. Je crois que c'est le sien ce qui est Twin Peaks. Ouais, Twin Peaks, c'est le sien. Par contre, où est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, genre sur la gauche, il doit y avoir des traces. These are thick tracks and definitely fresh. Putain, on peut passer par là. Franchement, en vrai, elles sont pas très grosses, elles peuvent passer là en vrai. Un oiseau, prends-le en photo. Comment je fais? Bah, avance, et après, appuie sur X. Wow! En vrai, il s'envolait quand j'appuie sur. Juste ce qu'il faut, ça. Objectif. Fisheye. Ah! Là, il y a une tôle. Et là, paf, elle se coupe la main. J'ai oublié.
trop facile. Ouais, non, mais la grange, please. C'est juste des tôles qui sont même pas fixées. Chloe, I found the front door. Come on. C'est juste une grange. Oh, yes. Maximus rules. Maximus. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Superman. Oh, des photos. Hey, check out this old chest. Oh, et là, brr, c'est ça. Louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Genre, ils sont en train de nous faire dire genre que Harry yes, Prescott, là, c'est le premier des Prescott qui a réussi, c'est ça, et qui fait que maintenant c'est une famille de renom. Avant, il était paysan. Une botte de foin. Putain, tu peux chercher dans la botte de foin. So many haystacks. So many haystacks. So few needles. Allez, s'il te plaît. Oh, une caisse. Ah, the good old days. What? Ah, c'est marqué quoi? Sugar, œuf, bacon, sucre, café, cocaïne, tabac et lait. Peut-être avant, on pouvait acheter la drogue comme ça. Bah, du tabac, tu l'achetais comme ça, mais de la coke, à mon avis... Ça, c'est pas de quand ça date. Parce que du coup, à des fins thérapeutiques, il me semble qu'il y avait justement un truc comme ça. C'est une carabine? Ah non, c'est une corde. These hooks are used to lift haystacks. Oh, il y a une porte là-dessous. Ça sent tellement qu'il y a une trappe. Ouais, j'avoue. It's so cliché. Dans toutes les granges, il y a une trappe. Wow. Tiens. What en plus, il parlait d'abri anti-atomique. It's totally brand new. C'est sûr qu'il y a un truc en dessous. Bah du coup je pense que tu dire, Supermax, you can't open this with your bare hands. Ah bon? Mais peut-être qu'avec un crochet pour soulever des bottes de foin. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Non. C'est on où? S'en sort très bien. Ben il doit y avoir un truc de l'autre côté, plateforme au-dessus. Je ouais non, à mon avis tu peux pas grimper. Ah si tu peux grimper? Chloe. Là. Can you give me a hand? Ah oui. Sidekick at your service. Yup. Hop, hop and away, Supermax. I dig having minions. Merci, esclave. Ah, en fait, la machine, elle est là, d'accord. J'ai cru que ça allait m'écraser. Mais genre comme ça. That looks sturdy enough to stand on. Ok, je pensais que ça était utilisé pour démarrer le truc, moi, mais bon. Non. Toujours plus haut. Ah, d'accord, le truc de poulie est là. Et du coup, il doit être relié à un autre machin. Alors ça, c'est relié en bas. Et du coup, hop, la corde est là, très bien. Mais genre tirer, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. Tu veux des gants? I need to hook this up to something heavier. Ah. Remonte le temps pour voir. Pour voir quoi? Pour accrocher la corde au moteur et faire tomber le moteur de plus haut. Je sais pas comment faire. Je crois que c'est la gâchette du bas là. Voilà. Oui. Yop. On remonte encore un peu. Non, c'est bon. Tada. Et du coup, tu peux attacher la corde. Here's the other end of the rope. Sans deck. Ah, t'as appuyé sur Y. Je t'en veux mode. Mais c'est marqué tiré. Mais pourquoi tirer, je fais ça? Ah. Oui. Attache-la. Pas attaché. Et là tiré. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais fallait pousser, madame. Ah, d'accord. Ah, ça fait contrepoids. Ouais, bah imagine, il tombait sur la trappe. On ne peut plus ouvrir la porte.
MacGyver, alors, attends. Attends, avant de descendre, regarde s'il n'y a pas un truc de l'autre côté à fouiller ou je sais pas quoi. Une malle. C'est un carton. Ah! Il y a un hibou! Please be careful up there, Max. Oui, je crois que c'est une chouette. Oh! Tu m'as réveillé, bâtard! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un hibou. It's a hibou. Good evening, Doctor Who. Sorry. Mm-hmm. C'était très drôle. Merci. Ouais, non, à mon avis, faut que tu descendes de façon normale. Mais c'est bizarre, ça te propose pas de... Ah non, ok. C'est tout seul, c'est bon. Ne tombe pas. Whoop. Again. Je peux pas... Non, descends, je m'en suis sur le côté, ça passe. Ok. Supermax. Est-ce qu'il y a autre chose à... Viens, on... aller voir peut-être les photos d'abord avant de descendre. Voir s'il y a des infos qu'on peut avoir. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Ouais, je pense que ça date un peu. Il y en a qu'une que je crois quand même. Ouais, c'est un peu chiant. Oh, tractor. Je pense que tu peux le rien faire avec, mais bon, c'est jamais. This tractor has paid its dues. À mon avis, il doit être vieux un petit peu quand même, le tractor. Oh, une photo. Wow, sir. Talk about. C'est trop. There's no way this rusty ass button will activate these ropes ouais. Or pulleys. Non mais ça on a déjà résolu l'énigme, Max. Tu le sais en plus, tu étais là. Ben écoute, je pense que tu peux y aller là cette fois-ci par contre. Je suppose que la dark room va être en bas. Et là il y a le cadavre de Rachel. Damn, this is heavy. Je veux pas voir ça. Yo.